Les gens exagèrent un peu quand ils parlent de son caractère. On a l'air tout à fait calme. Ton papa dit que tu es une menace pour la société. Non, ça semble juste l'amuser. Qui tu préfères? Maman ou papa? Ouais, évidemment. Vu que ta mère est toujours en vadrouille. Dis-moi, tu n'aurais pas une de ces fausses pièces en plastique par hasard? Pas savoir ce qu'il a bien pu vouloir dire. Si ça voulait dire quelque chose, évidemment. Tu dois déjà connaître cette île comme ta poche, hein? Dis, tu t'es déjà faufilé dans le camp militaire? Je raconte n'importe quoi, moi. Tu parles pas. T'as donné ta langue au chat? J'arrive à rien. Je perds mon temps. Autant lui ficher la paix. Non. Il n'y a que les méchants dans les téléfilms de Noël qui volent leurs jouets aux enfants. Voler un jouet à un gosse? Je ferai jamais une chose pareille. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne rime à rien. Non, ça ne me dit rien. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Cette idée ne me plaît pas. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Ça ne m'avancera à rien. Ce n'est pas une bonne idée. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Ce n'est pas une bonne idée. Je peux pas voir l'écran, mais à en juger par les sons, elle doit pas être très moderne. Je suis sûr que quand tu seras grand, tu seras ventriloque. Ah non, flûte, j'ai inversé. C'est le vrai monsieur qui cause. Patataillet. Bon, écoute. Tu dois déjà connaître cette île comme ta poche, hein?
Tu t'es déjà faufilé dans le camp militaire? Je raconte n'importe quoi, moi. Dis-moi, tu n'aurais pas une de ces fausses pièces en plastique, par hasard? Va savoir ce qu'il a bien pu vouloir dire. Si ça voulait dire quelque chose, évidemment. Je perds mon temps. Autant lui ficher la paix. Bon, bah, y a rien de très utile ici. Non, je dois d'abord sauver Gina. Il est petit, mais j'ai pas vraiment l'intention de partir en croisière. Cette idée ne me plaît pas. Non, ça n'a pas l'air nécessaire. Ça ne rime à rien. Ça ne m'avancera à rien. Il y a d'autres moyens bien plus intéressants pour perdre son temps. Il y a d'autres moyens bien plus intéressants pour perdre son temps. Je ne sais pas. Cette idée ne me plaît pas. Non, ça ne me dit rien. Cette idée ne me plaît pas. Ça ne m'avancera à rien. Cette idée ne me plaît pas. Une poubelle, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je vais rejeter un coup d'œil. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Non, je vois pas l'intérêt de provoquer un blackout. Ça ne rime à rien.
Il y a une petite cordelette pour l'allumer ou l'éteindre. Il fonctionne. Elle n'a pas l'air très stable. J'ai pas envie de finir écrasé en dessous. Il fait noir comme dans un four ici. Il fait noir comme... Il fait noir comme dans un four ici. C'est de là qu'émane cette odeur de gasoil. Enfin, les flaques de gasoil par terre y sont aussi pour quelque chose. Je crois qu'ils sont pleins de gasoil ou de fuel, un truc comme ça. Elle n'éclaire pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Je crois qu'ils sont pleins de gasoil ou de fuel, un truc comme ça. C'est toujours utile de savoir où trouver du carburant, mais je vois pas quoi en faire pour l'instant. Et puis dans quoi le transporter? Le rêve d'Homer Simpson. Ou plutôt le cauchemar, car il n'y a pas de décapsuleur de cette taille. C'est à se demander pourquoi tout le monde n'en a pas une dans sa cave. Il fait noir comme dans un four ici. En dehors du sac de sable qui m'est tombé sur la tête, c'est encore plus vite que le crâne d'O'Connor. Je pourrais poser ça là pour jouer à la chasse au trésor, mais sinon j'en vois vraiment pas l'intérêt. Il contrôle l'alimentation électrique de plusieurs équipements de la plage. Jouer avec le disjoncteur. Vous n'auriez pas une petite idée à ce sujet, Kaimi? Oups, j'avais oublié Knife. Non, je risquerais de priver de courant la totalité de l'île. C'est celui du bison mécanique. Hé, hey, j'ai plus de courant, ça va pas ça. C'est celui du stand photo. Non, je dois d'abord rétablir l'alimentation du bar, sinon l'Okelani va s'énerver. Sinon je vais devoir changer mon panneau boisson fraîche en soupe chaude à emporter. Heureusement qu'il n'y a pas trop de marche. Connaître qui se débrouille.
C'est un bon moyen de cacher l'appareil tout en faisant couleur locale. Ça m'étonnerait que j'ai plus de chance que tout à l'heure, mais bon... Comme je m'y attendais... Rien. Non, elle n'est pas assez longue. Ça m'étonnerait qu'il passe là-dessous. Ça m'étonnerait qu'il passe là-dessous. Je peux réparer n'importe quoi pour pas cher. Il perd pas le nord, ce Joshua. Je sais pas grand-chose de lui, mais il faut reconnaître qu'il est plutôt doué de ses mains. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? J'essaye de me faire un peu d'argent facile. J'ai l'estomac dans les talons. Et je n'ai même pas de quoi m'offrir une poignée de cacahuètes. La prochaine fois qu'Alpha m'enverra sauver le monde, j'exigerai un panier repas avec des sandwichs au poulet. Restez là. Nous risquons de devoir partir en quatrième vitesse. Ne vous inquiétez pas, je cours plus vite qu'un tonton. Ça ne va pas marcher. Cette idée ne me plaît pas. Ça ne rime à rien. J'arrive pas à déterminer si elle est futée, cinglée ou un peu des deux. Brian Grenier ! Lequel, Annie ? Je voulais vous demander quelque chose. Brian débile ! Oh, désolé. Je dois être la plus mauvaise serveuse de tout le Pacifique. Qu'est-ce que je vous sers, Kaimi ? Non, j'ai pas vraiment soif. Je voulais juste papoter un peu. Bon, bah, je vais faire un tour. À plus tard. Brian débile ! À plus. Non, ça ne me dit rien. Ça ne m'avancera à rien. Je ne sais pas. Brian, moteur ! Non, ça ne me dit rien. Brian, débile !
Sa tenue lui laisse pas beaucoup de possibilités pour dissimuler quelque chose. Ça ne va pas marcher. Ça ne m'avancera à rien. Brian, menteur ! Ça ne m'avancera à rien. Brian Grenier ! Non, il y a vraiment que moi pour trouver un possible intérêt à ce truc. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Non. Brian, menteur ! Brian, menteur ! Ça ne m'avancera à rien. Là, je vois pas. Non, il y a vraiment que moi pour trouver un possible intérêt à ce truc. Non, ça ne me dit rien. Brian, débile ! Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Ce n'est pas une bonne idée. Je vois pas à quoi ça pourrait servir. Brian Grenier ! Brian Menteur ! Ouh, comme j'aimerais lui arracher les plumes une par une. Vas-y, insulte-moi encore un peu pour voir. Brian Débile ! Brian Grenier ! Brian Débile ! Quoi de neuf, Coco ? Brian, menteur ! Je ne vois pas à quoi ça pourrait servir. Brian Grenier ! Je vois pas à quoi ça pourrait servir. Ça ne m'avancera à rien. Non. J'aime bien ce type. Pour une fois qu'il s'amuse, je voudrais pas tout gâcher. Il faut vraiment être un accro du surf pour en arriver là. Je préfère pas le distraire. Il pourrait s'énerver et me reprendre le hors-bord. Je ne sais pas. Ça ne m'avancera à rien. Cette idée ne me plaît pas. Ça ne m'avancera à rien.
Fichue cascade. Et maudit soit le jour où Gina a décidé d'aller les voir. En souvenir ? Non merci. Je n'aurai aucun mal à me souvenir de ce voyage. Je sais pas trop comment, mais je vais devoir trouver un moyen de rentrer là-dedans sans me faire remarquer. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? La chance que je sois sympa. N'importe qui d'autre t'aurait déjà envoyé bouler. Felton, ne quitte pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok, Felton, accompagne ce civil jusqu'à la tente du colonel. À vos ordres. Leslie, je t'ai amené le type. Très bien, approchez. Monsieur. Bien compris, mon colonel. Vous ne lâchez pas le morceau. Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Connais-lui quelques balles dans la nuque, ça va, mon pote. Vraiment, papa ? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre, il faut qu'on parle. Bon Dieu, plus c'est grand, plus c'est con. J'ai pas envie de compliquer encore plus l'existence de ce pauvre Leslie. Ça ne m'avancera à rien. Non, ça ne me dit rien. Ça ne rime à rien. Non. Ça ne m'avancera à rien. Cette idée ne me plaît pas. Hors de ma vue, Flowerpot. Vous pouvez entrer, monsieur... monsieur. Merci. Vous êtes toujours en vie, vous ? Êtes-vous enfin décidé à me dire ce que vous foutez sur mon île ? J'attends le professeur Pierre Pignon. La venue du professeur est un secret militaire. Comment êtes-vous au courant ? J'ai vu un panneau qui disait « Aujourd'hui, grande fête à la caserne pour accueillir notre ami français ». N'importe quelle excuse leur est bonne pour organiser une sauterie, bande de tire-au-flanc. Ils ne m'ont même pas invité, les ingrats. En dehors du professeur Pignon, il y a autre chose. Voyons ça. Quelle nouvelle excuse allez-vous donc encore inventer ? Non, en fait, la vérité, c'est que je suis venu voir si j'arrivais à me brancher la petite serveuse de Luana Beach. C'est une guerre perdue d'avance, mon gars. Du lieutenant-colonel au dernier des récureurs de latrine, tous mes hommes ont essayé. Tous s'y sont cassés les dents. C'est pas une fille, c'est un roc. Et vous, vous avez essayé ? J'ai aucune envie de parler de cette fille. En plus, je la trouve pas si terrible que ça. Soit vous mentez, soit vous êtes encore plus crétin que je le pensais. Mais de toute façon, je ne sais toujours pas ce que vous foutez sur mon île. Bah, en fait, personnellement, je voulais pas y venir. C'est ma copine qui... Ben tiens. Alors comme ça, notre petit civil fouineur est juste un gamin amoureux. Croyez-moi, si vous étiez dans l'armée, aucune femelle ne vous ferait tourner la tête. Pourquoi ne pas vous enrôler ? M'enrôler ? Moi ? J'ai à ce point l'air d'un crétin ? Mais vous n'avez rien dans quel but ? Quand changeront les choses, et je vous assure qu'elles changeront, il n'y aura pas d'autre solution que de se battre.
On verra bien alors à quoi vous servira votre face d'idiot. Je n'ai aucune tolérance pour le troisième degré. Alors répondez-moi ou assumez-en les conséquences. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dû bafouiller. Ah ouais? Qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Je continue de penser qu'un de vos hommes l'a forcément vu tomber dans le lac. Si c'était le cas, je le saurais. À moins que vous ne soyez en train d'insinuer que mes propres troupes me cachent des choses. En fait, ce que je voulais dire, c'est... J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Faites comme le Gaulle. Dégagez. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? T'as de la chance que je sois sympa. N'importe qui d'autre t'aurait déjà envoyé bouler. Felton, tu ne quittes pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Felton, accompagne ce civil jusqu'à la tente du colonel. À vos ordres. Leslie, je t'ai amené le type. Encore vous ? Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Montrez-lui comment se servir d'une grenade comme suppositoire, Flowerpot. Vraiment, papa ? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre, il faut qu'on parle. Bon Dieu, plus c'est grand, plus c'est con. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose susceptible de fonctionner. Il y croira jamais, et je risque d'avoir de gros ennuis. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose susceptible de fonctionner. Non, pauvre Lokelani. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose susceptible de fonctionner. Je préfère éviter. C'est un peu gros. Hors de ma vue, Flowerpot. Vous pouvez entrer, monsieur... monsieur. Merci. Je vois que ça vous amuse de me chercher. Répondez. Qu'est-ce que vous foutez sur mon île ? J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel... Vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Du balai, civil. Pas trop l'air d'en avoir besoin en ce moment. Et puis elle pourrait me servir plus tard, on sait jamais. Casse-bonbon s'est trouvé une nouvelle maison. Bon, voyons si j'arrive à m'en sortir avec ce sale gosse cette fois. Il est assis là depuis ce matin. Il a peut-être bobo à son cucu. Oh, oula, qu'est-ce que je raconte, moi ?
ne sais pas. Ça ne m'avancera à rien. Non, ça ne me dit rien. Il est assis là depuis ce matin. Il a peut-être bobo à son cucu. Ouh, oula, qu'est-ce que je raconte? Les gens exagèrent un peu quand ils parlent de son caractère. Il m'a l'air tout à fait calme. Bon, je vais réessayer. Je suis sûr que quand tu seras grand, tu seras ventriloque. Ah non, flûte, j'ai inversé. C'est le vrai monsieur qui cause. Pas ta taillette. Bon, écoute. Dis-moi, tu n'aurais pas une de ces fausses pièces en plastique par hasard? Va savoir ce qu'il a bien pu vouloir dire. Si ça voulait dire quelque chose, évidemment. Parle pas. T'as donné ta langue au chat? J'arrive à rien. Tu dois déjà connaître cette île comme ta poche, hein? Tu t'es déjà faufilé dans le camp militaire? Je raconte n'importe quoi, moi. Je perds mon temps. Autant lui ficher la paix.